voici une autre solution pour contrer les insectes, donc de manière naturelle. C'est extrêmement simple et efficace, c'est une bande engluée. Alors il existe des pots de glu directement, mais le problème c'est que ça laisse pas respirer l'arbre. Je crois que j'en ai là, je vais vous montrer. Voilà, c'est une espèce de pot là comme ça à l'intérieur. Donc ça va bien quand c'est des vieux troncs avec des écorces, vraiment avec des grosses aspérités. Parce qu'avec la bande engluée, ben, on peut pas tout calfeutrer en dessous. Donc ça va bien pour les rosas, mais les jeunes arbres fruitiers de moins de 10-15 ans, enfin moins de 10 ans en tout cas, c'est bien la bande engluée. Donc ça se présente comme ça. Donc là, il faut bien sûr y défaire et bien sûr ça colle de partout. Donc c'est pour ça que c'est très efficace. Et c'est tenu avec donc morceau de ficelle. Donc là, on voit bien avec, avec la photo. Du coup, ça coûte quelques euros. Et il y a, je crois, voyez, 2,50 m. Il n'y en a pas énormément, mais bon. Donc ça, c'est à faire deux fois par an. Donc là, on est au printemps. Je vais changer celle qui a passé l'hiver. Donc il doit y avoir pas mal de petits insectes aussi dessus. Tous les 6 mois, à y refaire, enfin, en fonction du nombre d'insectes qu'il y a dessus, quoi. Voilà, donc bah, ça évite les rampants, ça évite les fourmis. Les fourmis, elles adorent bah, tout ce qui est prunes, tous les fruits en général. Donc ça évite qu'elles grimpent sur l'arbre fruitier. Et voilà, donc c'est assez efficace, quoi. Et ça évite de traiter de manière chimique. Une fois installé, plus aucun insecte peut monter sur les arbres. Et donc c'est un traitement 100% naturel et efficace.